Salutations. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous sommes heureux de communiquer avec vous tous. Vous avez une énorme capacité à supporter la douleur et vous en avez enduré beaucoup au cours de votre vie sur Terre. Nous savons que beaucoup d'entre vous croient que vous avez besoin de douleur pour grandir, pour évoluer. Et certains d'entre vous croient même que la douleur fera même partie intégrante de votre ascension. Mais nous voulons que vous sachiez qu'une fois que vous ressentez de la douleur et que vous recevez ce message de sa part, vous n'en avez plus besoin. Et cela ne vous sert à rien de la perpétuer. À ce stade de votre vie, vous devez vous convaincre que la douleur n'est plus nécessaire. Vous ne voulez plus ressentir la douleur. Alors vous y palliez par des moyens humains à votre portée. Mais en réalité, vous devez simplement reconnaître que la douleur est là pour vous dire quelque chose et vous donner un message. La douleur physique vous indiquera toujours qu'il y a une douleur émotionnelle qui a été ignorée ou supprimée. Lorsque vous entrez en contact avec la douleur émotionnelle et que vous permettez à celle-ci d'être ce qu'elle est et d'être ressentie par votre corps, alors vous constaterez que la douleur physique s'atténue. Parfois même, cela signifie être très honnête avec vous-même, car il peut être très difficile d'admettre que vous avez nié quelque chose, surtout envers vous. Mais vous découvrirez que la douleur peut conduire à la croissance, grâce à ce qu'elle illumine en vous. Vous aimeriez alors être capable de reconnaître l'émotion et la pensée le plus tôt possible, afin de ne pas avoir besoin que la douleur se révèle physiquement à vous pour attirer votre attention. Vous devez savoir quelles émotions à vibration inférieure vous ignorez et supprimez, car elles vous indiquent la façon dont vous créez ce mal. Et en tant qu'être créateur, vous voulez créer ce qui est pour votre bénéfice, ce qui est approprié et ce que vous désirez. Alors parfois, vous avez besoin de placer une loupe sur ce que vous avez fait pour le voir. Mais une fois que vous ressentez de la douleur, vous devez également remarquer comment vous y réagissez. Quelle est la réponse émotionnelle? Quelle est la réponse mentale? Et quelle est la réponse physique à cette douleur? Ce sont tous les indicateurs de la façon dont vous vivez votre vie. Et vous pouvez les échanger contre des réponses bienveillantes. Vous pouvez commencer à voir les choses différemment en raison de la douleur que vous ressentez sur le moment et reconnaître que vous n'êtes pas obligé de vivre avec elle. En effet, vous n'êtes pas obligé de la rendre chronique, comme vous dites. Et vous pouvez vous convaincre qu'il s'agit d'une expérience temporaire et destinée à vous envoyer un message. Vous pouvez respirer à travers la douleur physique, tout comme vous êtes censé respirer à travers la douleur émotionnelle. En éliminant la douleur physique et émotionnelle, vous ressentez un vrai soulagement. Dans ce soulagement, vous êtes capable de créer à nouveau. Vous êtes capable de vous voir vous-même et votre monde d'une autre façon. Et nous vous encourageons à le faire dès maintenant et pour tous les aspects de votre vie qui peuvent être rendus bien plus agréables
est grâce à vous. Nous sommes le conseil arthurien et nous avons apprécié communiquer avec vous aujourd'hui. Et nous vous remercions infiniment. Merci. Merci. Merci.